Hey tout le monde, c'est MightyZo, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de ce Watch Truck sur Medal of Honor. Donc je suis sur Camdazia Studio, cette fois comme logiciel de montage, car je pense avoir trouvé la source de mon problème. En fait mon problème vient de la qualité vidéo en fait. Si je mets un jeu à fond, je pense que ça va que mon ordinateur ne peut pas le mettre en HD, donc du coup le logiciel n'arrive pas à le mettre en HD. Donc en gros je me fais baiser. Alors qu'est-ce que j'ai comme arme? Ah ouais, mon automatique. Voilà. Donc là j'ai mis en 1280x720 avec une qualité de l'image basse, mais bon normalement ça devrait le faire, vous inquiétez pas. Ah j'adore buter les gens, ouais. C'est où ces biatchs? Faites camp devant. Rabbit, flanquez. Il est mort. La grenade. RS. Quand même plus radical, vous croyez pas? C'est quoi ce feu? Leurs éclaireurs qui se font des signaux. On est grillé là? Ça s'excite à la radio. Ils ont entendu. Ça fait rien. On va vers Dorothy pour la confirmation. C'est ça qui a attiré leur attention. Oh cool, ouais, 630. Jimmy, Mother, on a une position de AAA en visuel sur notre position. Là, ça pète. Et il s'enfuit. Je connais mes classiques, biatch. Relève encore. Ah voilà, c'est bon. Ah, sors d'où? C'est bon, t'es mort. Donc désolé si j'ai pas continué Wolfenstein, sauf que j'ai eu un énorme bug. Mon Wolfenstein a bugué comme aux années par les années précédentes, et donc du coup il faut que je recommence soit à zéro, et ma sauvegarde malheureusement j'ai pas pu la conserver, donc ça fout la mort. Donc je recommencerai le jeu dès que j'en aurai le temps, mais en attendant il voulait absolument finir ce jeu. Oula, une nouvelle arme. Hop. Bon, elle me saoule un peu cette arme, quoi, n'empêche. Hop là. Bon, elle est très bien en multi, mais bon, là, elle est tout à fait inutile dans la campagne. Juste pour avoir le swag, hein, je vais pas la prendre. Génocide, bâtard. Et hop là, voilà, crevez tous. Merde, c'est moi qui suis mort. Le mec, il continue à tirer sur mon cadavre. Les connards. Allez. Bon, c'est sûr que passer sur du feu, ça fait mal. Voilà. Bon, on arrête le feu là. C'est ça qui a attiré leur attention. À fond, à fond. Il est touché. Oula, merde. Il est mort.
gueule. Alors lui, il a pris son pied. Merde, il est sur nous lui. What the fuck? On a eu statue. Eren. Statue. Rabbit, occupe-toi du canon. Sécurisé. Rabbit, détruis le tube. Oh, le bug que j'ai fait un moonwalk. Tu peux l'exploser. On y va, on saura ce... Bon, c'est bon, je la ferme. Code Lyoko, ça date, mais bon, dommage qu'il passe plus rien maintenant. Il y a tout ce qu'il faut. Ici Dolphy, Reaper 3-1, j'en survole et est disponible pour 10 minutes. On ne se plaint pas. Amusez-vous bien. Speed, les biatchs. Ok, Reaper 3-1, j'espère que j'aurai pas de problème avec Camtasia Studio 1. Cool, Tariq dit est vrai. L'endroit est infesté d'ennemis. Véhicule, en bas, à 10h. Reaper 3-1, on a un petit convoi de véhicules qui monte vers notre position. Hostile a priori. Preacher, Vaudou, partez devant chercher des éclaireurs. Rabbit, on s'occupe des camions. Comment voulez-vous en occuper? Mais comment ils veulent s'en occuper? On n'a pas de lance-patate. Game over, bitches. Ah là là, non, vous inquiétez pas, c'est pas du plagiat, mais je pouvais, j'étais obligé de la faire. Game over. Flash activé. Vaudou, tu vois quelque chose? J'ai vu, et on s'en est occupé. Rabbit, viens là. Une patrouille en fond, Ah la quad feed. Merde. Putain, merde, j'ai oublié. Quand ils visent le village et que vous êtes trop près, vous partez avec, ensemble avec le village. Ça m'apprendra à foncer comme ATB. Là, ça craint à mort, là. Ça craint à mort. Tous les fails que je fais à la suite. Faut dire quand même, en normal, le jeu, il est pas très facile. Rien. Ennemis dans la hutte.
je suis obligé de pilonner comme ça, sinon c'est moi qui me fais pilonner. Je me recule un peu que je me fais buter. C'est bon, allez. On va faire passer. Oula! Vous voulez me faire un câlin? Viens dans les couilles. Non, dans les jambes. Les couilles. Couille à Momo Iso, motherfucker. No surprise. Allez, fais un point avec la planche en bois. Bah, il avait pas vraiment penché ça, la planche en bois. Personnellement. Ils ont tué Rick Ross, non je déconne. Tu me dois à la vie, mec. Retourne au boulot. Regarde comme je la tiens mon arme. C'est le dernier, il reste plus personne. Ah la bière, je croyais qu'il était mort. Vas-y, moi je voulais l'épargner. Non, je déconne, je voulais l'achever. Pas de bruit. Il y a un camp. Comment notre imagerie rate ça? Elle peut pas tout voir, c'est pour ça qu'on est au sol. Allez, Dorothy est de l'autre côté. Jimmy, on est presque au PO. Jimmy. On a un gros camp appuyé en visuel. Plein de soldats, de l'artillerie anti-aérienne du sérieux. Reaper 3-1 peut encore s'en occuper. Attendez. Reaper 3-1 de Jimmy. Neptune a d'autres cibles. Vous êtes disponible? Neptune 1, on rentre à la base. Reaper 3-1, on a besoin que vous repassiez. Neptune 1, laissez-nous 5 minutes. Vous aurez droit à un seul passage, il ne faut pas se louper. Le jour se lève et on risque de se faire canarder. Silence. Pas de tir avant le signal. Il y a des gardes qui vadrouillent. On va pas donner vraiment le signal en fait. Le couvre.
tard. Reaper 3-1, Tango uniforme. Alertez-nous le prochain coup. Reçu. On voit plein de mouvements au sud-est de votre position. On va passer Neptune. Il faut désigner vos cibles. Bodo, toi et Rabbit, vous amenez un sous-plan. Preacher, avec moi. Ah ouais, la première fois, je m'étais paumé. Ne vous inquiétez pas. Et voilà. Putain. Putain. Reçu, on y va. Allez, rapide. Énorme. Énorme. On est bon. Contact. Mer, Amit, Baudou, on est là. On est accroché. Il tire. On esquive. Mayenne, contre-mesure. Amit, vers moi. Se faire avoir. RPG, Rabbit, à 9h. Cible tuée. Il est mort. J'enlève ça. Munition finie, motherfucker. Bien reçu, pareil, on rentre à la base. Ah, belle opération. Reaper 3-1, cap à 270 degrés. Reçu, Bagram, cap 270. Bienvenue à Dorothy. C'est mignon. Général. L'IFO Wolfpack rapporte 100% de cibles détruites. L'IFO Neptune a cloué encore des cibles au sud de la baleine. Je ne vous avais pas dit d'envoyer des fantassins. Où en sont ces unités d'infanterie? J'attends les hélicos pour le transport, général. Les derniers arriveront à 8 heures au plus tard. Et en attendant... On est en train d'envoyer des Afghans au combat, général. On les appelle Task Force Rebelle. Bien, nous apprécions le désir des Afghans d'aider, mais nous avons deux bataillons prêts à en découdre. Laissez-les participer au combat. Général, l'ANA est compétente. Les TF rebelles connaissent le terrain, l'ennemi, les lieux de ces deux, et ils sont encadrés par nos meilleurs sous-officiers des forces spéciales. C'est compris. Mais quand est-ce que nos gars vont arriver là-bas? Une fois les Chinooks ravitaillés et chargés, on pourra y aller. Qu'est-ce qu'il y a? Colonel, on a perdu le contact avec Reaper 3-1, notre AC-130 en survol. Bagram, Reaper 3-1, reprise de contact. Ces véhicules sont à nous? Reaper 3-1, vous avez ce convoi de véhicules en visuel? Position 160959. Exact. Ami? Ils ne répondent pas à notre glint. Synchronisation des armes. On nous a signalé des embuscades ennemies dans la zone. Ils sont ennemis ou amis? C'est pas sûr. Et ils ne répondent pas à notre glint. À vous. Non, pas de glint. Et vous voyez des armes? Affirmatif. C'est une zone à haut risque, avec des véhicules non identifiés transportant des armes. On n'a pas d'identification positive. Reaper 3-1, vous êtes autorisé à tirer sur ces véhicules. Bagram, ici code 01, en issue des tirs. Vous nous avez en visuel? Attention, attention! Bagram, on est approché! Je vous donne un soutien immédiat. Oh, cessez-le feu, j'ai des amis! Yes. Les Panthères, vous tirez sur le convoi des TF
Cessez-le-feu, cessez-le-feu. Merde, on a des pertes. Faites-les dégager la véhicule. Dégagez-la. Colonel, on a perdu les TFR. Ils repartent à Gardez. Les Afghans sont anecdotiques, Drucker. Envoyez les Rangers dans la vallée. Les équipes d'AFO ont détruit les cibles. Il y aura presque plus de résistance. Général, les AFO peuvent encore appeler des frappes aériennes. Envoyez les Rangers. C'est clair? Bien compris, général. Chier. Envoyez les Rangers. Vous êtes bien sur le vol Ranger 2-1. Je serai votre steward chef d'équipe aujourd'hui. On m'appelle premier arrivé, dernier parti. Au menu aujourd'hui, mal de 5,56. Et comme plat du jour, Taliban à bord. Ouais, grave. Hernandez, prépare-toi à faire parler la poudre. Ouais, boum, boum, boum. Ah, mais chier, j'ai déjà vu ça. Prends ma place, soldat. Bagrat de Gold Digger 0 en approche de la ZA4. Reçu, Gold Digger 0, allez-y. 200 pieds du sol, atterrissage proche. 5 secondes. Allez, au boulot. On fonce! Non, non, non! On bouge, on bouge! En vrille. Tu voulais aller au combat? Et là, t'es servi. C'est quoi le plan, sergent? Le premier peloton est complètement foutu. Vous passez, bravo 1. Reçu. On va aller jusqu'à cette colline, voir ce qui se passe. Vous allez les flanquer. Où est l'étac? Juste là. D'accord, Ibarra, tu les accompagnes. Reçu. Déplacez-vous sur la hauteur, observez la situation et explosez-les avec un CAS. Bien reçu. Ne perdons pas plus de temps. Ouais, allons-y. Ok, vos gueules tout le monde. Et bah c'est sur ces amis que nous allons nous quitter. Bon, j'espère que la partie vous aura plu, hein, un petit peu longue. J'espère que ça va pas foirer, hein. Et bon, faut toujours espérer. Sur ce, je vous dis bye et on se retrouvera pour une nouvelle vidéo. Peace.